Il y avait une loi d'après laquelle en Israël, pendant la Pâque, il fallait manger l'agneau tout entier, manger même la chair, manger les intestins, ne rien laisser à côté. C'était ça toute la loi. Savez-vous quel agneau, c'est Jésus-Christ mon sauveur. L'agneau qui ôte les péchés du monde, c'est lui qui est l'agneau. Mais Jésus c'est aussi la loi, Jésus c'est la grâce. Il faut prendre tout ensemble, les écritures de la Bible. N'ai rien laissé, n'ai rien écarté, c'est ça tant que la loi a. C'est ça la loi, la loi de Dieu. Une lettre et un bonnet tu fort, si c'est moi tout en ordre, s'il faut tout respecter, il faut pas même oublier. Mais c'est vrai ce qu'est l'iota, ça fait l'essence de la lettre, ça fait l'essence de tout. Il faut alors rien laisser, non, non, rien laisser, yo, yo. Qu'on ait prié et adoré, il offrait les aumônes, il était pieux pour Dieu, mais malgré tout cela, il fallait qu'un jour seulement, il puisse écouter la prédication de la croix à la bouche des pierres. C'était ça l'iota qui manquait dans sa vie. Dieu est complet, il faut le servir dans la totalité. Rien n'est à mettre de côté, on ne peut rien négliger, tout est utile. Philippe, un jour, il a baptisé les disciples à Samarie. Et remarquez, ils étaient baptisés, mais il fallait que les apôtres puissent venir. Savoir qu'il est le Saint-Esprit, c'est ça l'iota qui manquait, la présence des ministres. L'iota très important dans la vie de tout chrétien. Oh. Interpréter c'est bien, mais la doctrine c'est l'iota. La doctrine c'est bien, l'interprétation l'iota, pour que tout soit complet et que la puissance descende, que Dieu puisse voir et descendre. Oh, tout est important. Bien, c'est très bien, mais la puissance aussi est vraiment très utile. C'est ça aussi l'iota. Tu es puissant, c'est bien. La puissance, c'est très bien, mais l'interprétation aussi. La parole, c'est l'iota qui doit être présente pour que tout soit complet. Oh, tout soit complet. Tout soit complet. Thank you.